Salut les gens, c'est Vinja, la chaîne VATS, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le live reaction de l'épisode 6 de la saison 5 de My Hero Academia. Dans le dernier épisode, si vous vous rappelez, on avait eu le deuxième combat qui avait commencé entre, je crois qu'il y avait Fumikage, et de l'autre côté il y avait par exemple le gars tout noir avec des cheveux blancs qui peut se fondre dans les ombres, je sais plus les noms, faudrait vraiment que je les apprenne, hein. Je dis ça à chaque fois mais... Voilà. Bref, il y a eu ce combat-là, on a appris du coup que Fumikage avait une nouvelle technique qui lui permettait de voler grâce à son Dark Shadow. Et du coup, c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à gagner ce combat. Maintenant, on va se pencher plus sur le troisième combat, qui va être encore une fois des secondes A contre des secondes B. Cette fois, c'est l'équipe de Momoi, je crois, dans la seconde A, contre l'équipe de l'autre fille de la seconde B qui frappe tout le temps l'autre mec. Et puis voilà, donc je pense qu'on peut partir déjà pour ce live reaction, et j'espère que l'épisode va être génial. C'est parti. Allez. Mais qui voilà? Ah, on a encore le résumé. Donc le premier battle, c'est les secondes A qui ont gagné. Donc logiquement, ce serait les secondes B et encore une fois les secondes B qui gagnent. Logiquement. Comme ça, ça se finit au dernier combat en A contre 1. Pour moi, ce serait ça. Donc la seconde A a gagné le premier combat. C'est le deuxième combat toujours en fait. Je croyais qu'on avait déjà passé au troisième combat, mais non, Momoi en fait, elle est toujours dans ce combat-là, elle est avec Dark Shadow, en fait. Ah, l'ange des chutes des ténèbres, ça s'appelle, sa deuxième technique. Allez, let's go. Alors. Le plurilaser de l'autre français. Ah oui, l'animation magnifique, ça, sur cet épisode. Ah, c'était beau, ce qu'il a fait. Enfin, ce qu'ils ont fait, plutôt. Ah oui, c'est vrai, il y a l'autre meuf avec ses champignons. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce champignon? Bon bah let's go au plan B. Champignon, je retourne recouvrir. Ah, faudrait pas qu'il marche dessus. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Sinon ça va libérer du poison ou de... un truc toxique. Magirolls. Okay. Champignon. Elle émet des spores qui font pousser des champignons partout. Mais ça fait quoi ces champignons? Et là, vu que ça a pas influencé Dark Shadow... Je sais pas, bon on va voir. Le plan B, allez. Vous avez prévu un plan? Bah oui, bien sûr. Elle a intelligent, c'est tout ça quand même. C'est ça son pouvoir? Mais des onomatopées en fait. Manga Fukidashi. Il a le pouvoir de matérialiser les onomatopées en le temps de dessiner. Ah ok. Ah ouais, c'est vraiment dur ces trucs. Ça augmente les champignons? Ah non. C'est un humidificateur. La seconde A est acculée par l'attaque à distance. Ouais. Ça risque d'être chaud. Ah ouais. Si les onomatopées de manga peuvent marcher à l'étranger. En vrai, c'est possible, c'est les siennes. Heureusement qu'elle a matérialisé vite fait. Là. Oula, c'est quoi ça? Battle Fist. Ses points grossissent. Plutôt? Ah, la puissance de ses points augmente avec leur taille, ok. Je me disais aussi. Parce que si elle pouvait juste augmenter ses points, ça servait pas forcément à grand chose. Non mais depuis le tournoi, elle s'est un petit peu améliorée, je pense. Oh, arrête de te sous-estimer. Allez, montre-nous. Mais je pense pas qu'ils vont réussir à gagner. Ce serait pas logique, ils mettraient un peu de suspense, je pense. Ça demande pas mal d'être ça. Ah, d'accord, bah pendant qu'elle l'a frappé, du coup, elle l'a fabriqué. Ah, c'est pas con. C'est pas con comme idée. En gros, ils ont décidé de 1v1 l'autre, et puis... Comment ça va mal à la gorge? Bah, si, elle va tirer, bien sûr que si. Et l'autre, elle va la protéger avec sa main, c'est sûr. Elle va faire une énorme main, et puis c'est... Qu'est-ce qu'elle prend? Oula. Qu'est-ce qu'elle a foutu? Oh! Eh, pote. Ouais, là, je comprends pas. Oh, merde, il est déjà là, lui. Allez, vas-y! Lunettes à vision thermique. Ah! C'est un autre, c'est pour les champignons, et la lunette à vision thermique, c'est pour les repérer. Il va se faire avoir, lui. Ah, il va réussir à gagner, en vrai. Ouf! Il a réussi à les avoir, du coup? C'est mort, il est trop. Je vais garder caché, car ce n'est pas très sport. Ah, ils étaient à deux doigts de perdre, mais... Seconde A perdu. Est-ce que je l'avais deviné? Oui. Ils ont perdu, mais ils ont bien joué, quoi. Bon, c'est bon, les témoignages de défaite, là.
On n'a pas le temps. Allez, la seconde balle a gagné. Ah, ouais. Bon, bah voilà, on va aller voir la preview alors. Alors, c'est quoi le prochain combat? Prochain épisode. La seconde A contre la seconde B. Oh, ça va être le combat de Shoto. Shoto avec Tenya face à Tetsu Tetsu. Ah, ils ont peu de chances de gagner la seconde B là, ça va être chaud. Oh, de la B. Bon. Bon bah voilà pour cet épisode qui a été franchement intéressant par rapport au combat. Bon, première victoire pour la seconde B, qui était assez prévisible du fait que je me suis dit deux victoires seconde A, deux victoires seconde B, et puis le dernier ça va être Izuku face à Itoshi. Je crois que c'est Itoshi. Mais voilà, du coup, combat très intéressant avec beaucoup de rebondissements. On croyait premièrement que ça allait être la seconde A qui allait gagner, logiquement. Avec Fumikage qui est vraiment très intéressant avec sa technique qui fait beaucoup de mal aux adversaires. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment vu Momoi. On l'a vu juste pour son combat face à Itsuka. Juste pour son combat face à Itsuka. Franchement, pour une leader, je m'attendais un peu plus à la voir. Qu'elle fasse un peu plus de choses, mais finalement, à part son canon et puis le fait qu'elle ait donné des lunettes thermiques à Fumikage, je vois pas franchement ce qu'elle a vraiment apporté. Après, je me trompe peut-être, mais voilà, pour moi, c'est mon ressenti. Première victoire pour les secondes B, ce qui signifie qu'on a deux victoires pour la seconde A et une victoire... Non, je suis con. Attends, je me trompe à chaque fois, mais en fait, c'est une victoire pour la seconde A et une victoire pour la seconde B, vu que... Je croyais toujours qu'on a fait que 3 combats. Finalement, on en a fait que 2 en 4-5 épisodes. Je trouve ça un peu long, mais bon, je pense que c'est normal. Du coup, ça va continuer sur des 2 épisodes pour une manche, etc. Donc, dans les 2 prochains épisodes, on va voir Shoto et Kenya à l'œuvre face à Tetsu Tetsuya, un truc comme ça. Et puis voilà, bon, je suis impatient de voir ce combat. Mais j'avoue que c'est un peu long. C'est un peu long par rapport à ça, mais... Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir des combats, surtout dans My Hero Academia, quoi, parce que c'est un peu le but. Mais bon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pensé par rapport à cet épisode. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses à dire, c'est normal si la vidéo est un peu courte. On se rapproche des 100 abonnés, donc voilà, merci à vous de nous suivre pendant ces reviews, même les autres vidéos. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par la musique ou si vous voulez découvrir, n'hésitez pas à voir le Qu'est-ce que c'est de Servette, qui retrace un peu l'histoire de Pink Floyd. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à demain pour la review de Tokyo Revenger et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!